Allez, au départ. Ok, maintenant, on y arrive. Merde, ça, tu peux y aller? Cherche toujours les grands-mères, les ivrognes et les pédés. Moi, c'est parce que t'es chauve. Non, mais ça dépend où vous allez. Parce que moi, je rentre au dépôt là. Au dépôt, Voiron. Il faut que j'y sois dans un quart d'heure. Hein? Un quart d'heure. Marquez, ça me rapproche du dépôt. Hein. Un quart d'heure, c'est pas possible. Dis ça que tu y es pas. Un quart d'heure, c'est pas possible. Dix de mieux. Dix. 20. Oh, quelle heure il est là? Moins 20. À moins 5. Ok, montez. On te suit au radio. Allez. Vous êtes mannequin, hein? Ça se voit au bout d'oreille. Vous avez vu, j'ai l'œil, hein? Dépêchez-vous, je vous ai déjà dit que j'étais pressé. Bon, non, on double les paris si tu veux. Ça va, pas trop peur? C'est reparti. On est d'accord, on double les paris, Polo. Tu vas jamais y arriver, mon pote. Je vais voir si je vais pas y arriver. T'as pas eu un accident? Je m'avale le rouge. Oh, Polo! Polo, t'es à Bagatelle? 3 minutes d'avance. Je vais m'arrêter pour faire une petite course. Minutes 35 secondes. Vous allez quel numéro? Continuez. Je vais au dépôt moi aussi. Merde, la voiture du patron. Pour être arrivé,
Je suis bien arrivé, oui. Tu es déjà là? Oui, j'arrive, oui, oui. J'ai sorti tes affaires. Tu t'habilles? Ah oui, oui. Elle te plaît? Ah oui, superbe. Superbe. Puis ce qu'il y a de bien surtout, c'est qu'elle donne l'heure. Elle est peut-être un peu grosse pour... Non, mais elle est bien. Qu'est-ce que t'as, Paul? Rien. Je t'aime. Ah, au fait, tu sais, pour le gouvernail, il y l'a dit. J'ai reçu l'avis. Qu'est-ce que ça, c'est le traiteur, non? Le traiteur. 2 heures de cuisine, oui. Disons, pour le gouvernail, c'est peut-être... embêtant, non? Tant que j'ai pas touché ma paye. Marc, tu pourras peut-être faire un chèque. Mais... elle tombe lundi ou mardi, non? Ah, ben oui. Qu'est-ce que t'as, Paul? Rien. Rien. Je t'aime. Le feu passe au rouge, demi-tour, je rentre. Foncez, nom de Dieu, foncez, foncez! Messieurs, 2000 au banco. Viens, on rentre. 1000 francs, messieurs. 1000 francs reste à faire. 1000 francs, messieurs. Le banco est fait, rien ne va plus. Carte. Votre
4. Les 5. Bon partout. Messieurs, faites le jeu. Les jeux sont faits, messieurs. Jacques. Les 6 à la banque. 9. Bon, bonsoir, monsieur Brion. Ça fait l'éternité qu'on ne vous a vu. Rien pour les chevaux. Faites le jeu, messieurs. Marquez les jeux, messieurs. Faites le jeu. Marquez les jeux, messieurs. Faites le jeu. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Carte au premier. Non. Carte et non. 7 à la banque. Baccarat et 5, bon partout. Messieurs, faites le jeu. Poussez-vous, s'il vous plaît. Bon, faut que je recommence. La grande ours. Cherchez pas, il y a 9 étoiles. Belle. Hein? Je compte pas les étoiles, je compte les réverbères. Alors, il y en a 18. Plus. 18. 1000 francs qu'il y en a plus. Tenu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Pourquoi vous sautez les deux qui sont éteints, là? On a dit réverbère, pas lampadaire. Lampadaire, c'est les supports. Oui, mais un réverbère, ça a besoin d'un support, sinon... Soyez de bonne foi. Hmm? 16, 17 et... Et 18. Très bien, vous avez gagné. Non, je vous en prie, 1000 francs de plus ou de moins, je suis plus à ça près. Je suis de bonne foi, moi. Ok. La revanche quand vous voulez. Mm-hmm. Tout ça, vous l'avez aussi... Mais non, messieurs. Je vous prenais pourtant pour un gentleman. Tu laisses porter. Alors, monsieur Brion, qu'est-ce qui vous ramène parmi nous? Question de dépôt. Ah, les affaires. La fourrure. Dites donc à propos de fourrure. C'est bientôt l'anniversaire de ma femme. Si vous pouviez me trouver un manteau en solde. Évitez l'Oslo, c'est dangereux. Ah, vous savez, moi, je pensais à un animal plus modeste. Il y a l'acrylique. Pardon? À votre avis, ça gagne ou ça perd, là? Bah, on ne voit pas leurs mains, ça doit gagner. Merci. L'acrylique, superbe. Le jeu est fait, messieurs. Le jeu est fait. Rien ne va plus. Qu'est-ce que ça donne? Non, monsieur, terminé. 9 au premier. 9 et carte. 6 en banque. 9 et 2. On fait le premier bon, second. Rien pour les chevaux. Messieurs, faites le jeu. Faites le jeu, messieurs. Personnel. Merci, monsieur, personnel. Et ma revanche? Messieurs, faites le jeu. Faites le jeu, messieurs. Faites le jeu, messieurs. Le jeu est fait, messieurs. Rien ne va plus. 5 000 francs, messieurs, à faire. Max, c'est Paul, t'es dans le potage ou quoi? Il faut que je te voie, c'est urgent. Quoi? T'es dingue, t'as vu l'heure de sac? Oh, mais t'es dingue, t'as vu l'heure, qu'est-ce que tu veux? T'emprunter du fric. Quoi? Où je peux te voir? Oh, tu me réveilles pour ça? Mais écoute, je suis à sec, il me reste 8 balles. Bon, on verra ça demain, merde, recouche-toi. Mais je suis en gain, alors file-moi rencard avant que ça coupe. Bon, tu t'entraînes toujours? Bah oui, je m'entraîne, pourquoi? Alors, 10h à Sorletti, à 7h. Putain, mais c'est maintenant que j'ai besoin. Pour 8,40 pour un cidre à pastis. Vous me prenez pour un Américain, hein?
Comment voulez-vous que j'évalue une boisson pareille? Oui, alors vous en avez compté deux, tranquille. Deux. Quatre. Cinq, six. Sept, sept, cinquante. Huit. Huit, trente-cinq. C'est tout ce que j'ai. C'est toujours comme ça. En face, c'est personnel merci. Et ici, c'est la mendicité. Tenez, je vous fais cadeau du reste. Merci. Comment ça, tu les as pas? Ça fait 15 jours que ça dure. Qu'est-ce que je fous, moi, là, hein? Alors, tu peux pas me les rendre? Non. Dai, te li do al più presto. Ah, français, moi, je comprends pas ton italien, là. Ho bisogno, capisci? Ok. Demain, je passe les prendre. Demain, c'est compris? Mmh. Ciao. Bonsoir. Enfin, je veux dire bonjour, parce que... Je peux m'asseoir? Non. Ah. Ah ben, j'ai trois solutions. Ou je m'assois et vous partez. Ou je m'en vais et j'ai l'air d'un con. Et la troisième? Ben, je reste planté là et je vous regarde. Offrez-moi plutôt un verre. Volontiers. Un café? Un demi-café, non? Plutôt quelque chose de frais. Sucré, alcoolisé, pétillant, tonifiant, aphrodisiaque. Coca, diabolo, jus de fruits, Ginny, coca, diabolo. Coca. Champagne. Ah. Un euphorisant, alors. J'allais vous le proposer. Allons-y. Une bouteille. Une coupe, ça ira. Mademoiselle, deux coupes. Deux demi-coupes. Enfin, pour le prix d'une, vous mettez deux coupes. Non, c'est pas la peine, deux coupes. Sur la note de la petite dame? Pour qui vous me prenez? C'est la femme d'un général des carabiniers de Frascati. Vous connaissez Frascati? Il a sauté sur une bombe. Il est pas mort, mais il est en morceaux. Alors sa femme fait le tour du monde pour recoller son bonhomme. Elle vient justement d'acheter un œil à un chasseur repenti. Et moi, je lui ai mon testicule gauche, une fortune. Alors pensez, deux coupes. Je vous préviens que si les consommations sont pas payées, j'appelle la police. Oh non, pas de problème. C'est de jolis yeux. Vous m'en voulez pour tout à l'heure? Quoi? Les trois briques, vous plaisantez? J'en ai perdu 10 hier. En tout cas, faut pas regretter votre mon tirage à 5. Si je vous donnais les rois des carreaux du tour d'après, vous perdez quand même. Oui, merci. Mais le coup suivant était décalé d'une carte, et là, je vous ratissais. Bêtise. Ça vous faisait valet des trèfles. Moi, je prends la dame des piques. Je vous donne mon 2 de cœur et j'ai réglé 9 des trèfles. Donc, vous avez 2 jeux 9. Dites, pendant que vous y êtes, vous pourriez parvenir les lignes de la main? Santé? Chin-chi. Vous allez rire, je n'ai plus un centime. Ouh. Ça va pas? Si, non, je ris. Je ris, là. Je ris toujours des vétilles du quotidien. Si j'ai accepté de prendre un verre avec vous, c'est parce que mon ami est parti en me laissant l'addition. Mais... Et mes trois briques? Mes trois briques? Oui, enfin. J'ai tout reperdu. Dites... vous n'êtes pas marié à un carabinier, par hasard? Non, pourquoi? Bon, parce que là... Là, je crois qu'on a un problème, là. Là, je crois qu'on a un problème parce que moi aussi, je suis complètement lessivé. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je pars. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ce que vous voulez. Au revoir. Ce que vous voulez. À Paris, s'il vous plaît. Vous avez de l'argent, au moins? Je garde toujours de quoi rentrer. Oh! Oh! Oh, merde.
merde. Ma voiture. C'est ma voiture. Ma voiture. Toujours instituteur? Non, taxi. Enfin, jusqu'à hier. Mais notez-le quand même. Bon, alors c'est votre taxi que vous venez récupérer, là? Non, là, c'est ma voiture. Écoutez, expliquez-vous, hein? C'est ma voiture. Bon, vous êtes marié? Oui. Remarquez, on l'était plus. Rose et moi, on a divorcé, et puis on s'est remariés il y a un an environ. Chacun de votre côté? Ah non, ensemble. Bon, ben alors, vous êtes marié, hein? Marié. Voilà. Numéro du véhicule. Bonsoir. Enfin, je veux dire bonjour. Dis donc, quand vous aurez le temps, là, vous donnerez le numéro du véhicule, hein? 68-51 GM92. 68-GM92. Veuillez me présenter les documents afférents à la conduite du véhicule, s'il vous plaît. Hein? Paul, tes papiers. Mais ils sont dans la voiture. Monsieur Brion, le véhicule est sous-scellé, et tant que je n'ai pas la preuve de l'appartenance du véhicule, je ne peux pas les faire sauter, c'est clair? Mais puisque je vous dis qu'ils sont dedans, le véhicule. Monsieur Brion, pour rentrer dans le véhicule et y prendre les documents, il faut faire sauter les scellés, hein? Bon, et ça, je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas la preuve que le véhicule vous appartient. Voilà. Monsieur, vous faites sauter les scellés, on prend les papiers, vous reposez les scellés, vous constatez que la voiture nous appartient, vous refaites sauter les scellés et on s'en va. Voilà. Faites sauter les scellés. Il n'y a que ça à faire. Bon, bon, d'accord, d'accord. Tenez, merci. Le véhicule est là-bas. Les frais de fourrière, combien? C'est fini, Paul. Tu m'avais promis, mais t'as rejoué. C'est fini. J'ai pas joué, Rose. On se marie, on se démarie, on se remarie. Ça sert à quoi? Et moi, je veux un enfant, mais pas avec un joueur. Oui, mais j'ai pas joué, Rose. Mais qu'est-ce que t'as dans le sang? Ta paye, on en avait besoin. La bouffe, les frais du bateau, le loyer. Et moi, je peux plus tout assumer toute seule. J'en ai marre. Il faut que je respire. J'ai pas joué, Rose. Non, mais qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? J'ai pas joué. Allez, viens, je t'emmène au salon. Françoise m'attend avec sa deux chevaux. Ta valise est dans l'entrée. Non, Rose. Le comptable était absent hier soir. Il faut que j'aille chercher ma paye tout à l'heure. Assoir. Dites donc, c'est pas très sérieux ça de laisser vos papiers comme ça. Hein. Votre voiture, elle ferme même pas. Oui, je sais. J'ai fait une connerie, là. J'ai fait une connerie. La fille du casin, la fille du casin, tu crois que j'ai pas pensé? Je connais même pas son prénom. Alors, tu me les files? Putain, t'es venu me traquer jusqu'au stade pour du pognon, là? Dis donc, je m'entraîne tous les jours, moi. Bon, allez, tu me les files, après je t'embête plus. J'irai m'entraîner dans le trou des Halles, tiens. Putain, mais 400 sacs, 400 sacs, c'est... Bon, ben disons 500. Quoi? Non, sans déconner, allez, 200. Je t'ai toujours vendu, hein. Dis donc, t'as une belle montre, là. T'as qu'à la vendre. Mais t'es fou, c'est un cadeau de Rose. Eh ben alors, tu vois bien qu'elle t'aime encore. Y a rien de sacré pour toi. Je t'emmerde. Toi et ton fric. Je t'emmerde! Junior, j'en ai fait un vainqueur. Dommage qu'il ait raccroché les pointes. Et qui joue? 600 francs. 600 francs. Pardon, elle est neuve, écoutez. Si c'est une montre, elle peut résister à une pression de 100 bars au moins. Non, là, si une montre à 2000 francs, je m'excuse. 700, et c'est cher payé. Vous savez, le commandant Cousteau, il n'a pas l'habitude de nous acheter grand-chose. 700 francs, ça va? D'accord. Je pourrais la reprendre quand je veux, de toute façon. Ah, quand vous voudrez, vous intéresse?
Là, vous prenez la chaîne, ça fera 1000 francs comme ça. Allô, Max? Si c'est pour me taper, va te faire foutre le sac. Allô? C'est toi, Paul? Rose? Mais qu'est-ce que tu fous chez Max? Tu téléphones chez nous, Paul. Tu as dû te tromper de numéro. Ah, bien sûr. Je plaisantais, là. Ça va? Mais oui, tu as bu ou quoi? Moi? J'ai bu... Dans un sens, oui. Attention, pas beaucoup, hein. C'est pour ça que je suis un peu en retard. C'est le pot d'adieu des collègues. Ils ont fait une collecte pour moi, sympa, non? Je pouvais quand même pas me dérober, quand même. Ah, tu verrais leur tête. Ça, on peut dire que je suis regretté, Rose, hein. Même mot clair, là. Ah, tiens, je peux l'apercevoir d'ici, là. Écoute, je déconne pas. Il a les larmes aux yeux, ce con. T'aurais vu quand il m'a remis mon enveloppe. On dirait pas, mais c'est un type qui s'attache, Montclair. Hein. Il attendait qu'un mot d'excuse. Hein. Mais tu me connais, hein. Quand j'ai pas tort, c'est que j'ai raison. Rose. Allô. Rose. J'écoute, merde. Paul. Merde, c'est coupé. Mais oui, mais je t'entends, moi. Bon, je raccroche, Rose. Paul. Je t'entends plus, hein. Paul, je t'entends. Vestiaire, qu'est-ce que vous voulez me prendre? J'ai déjà plus rien. Alors, je cherche un type casqué. Il a un gros cube. Cube, bah. Et un casque. Un cube ou un casque? Non, le type qui est entre les deux. Entre le cube et le casque. Et un blond, la peau. Couleur hépatite virale. Ah, monsieur Desraux. Voilà, il est peut-être là-haut. Merci. Vous les voyez bien? Qu'est-ce que vous faites là? Je cherche votre ami Desraux, là, pour lui demander votre numéro de téléphone. Vous l'avez pas vu par hasard? Très drôle. Écoutez, je tiens à vous prévenir tout de suite. C'est pas parce que j'ai mes déshabits que j'ai ma longe, ok? Comment vous m'avez retrouvé? J'ai des relations. Maintenant que vous êtes là, je ne vais pas vous refuser un verre. Je vous l'offre, moi. Attendez-moi ici, je m'échange. Merci. Est-ce que je vous sers? Un cidre pastis, s'il vous plaît. Ah, connais pas. Ah bah alors, champagne? Ouais. Une demi-coupe? Non, une coupe. C'est la première fois que vous venez ici. J'ai l'œil. Répondez-les autour de vous, ça fera connaître la maison. Répond. Mais ramassez ça tout de suite ou j'appelle le patron? Bon, il pèse le patron. 130 kilos.
Je ramasse. Et vous me devez 100 francs pour la coupe? Ouais, c'est sur le compte de... vous savez... Eva. Eva, oui. Avec ses lettres de jeu, elle a des ardoises partout. T'as mon fric? Je te rends tout la semaine prochaine. Je te promets. Je suis vachement patient. Hier soir, Anguin, tu t'es encore foutu de ma gueule? Je peux plus attendre. Mais je viens de te dire que je l'aurai demain. C'est maintenant que j'en ai besoin, t'entends? Mais j'ai pas d'argent, fouille mon sac, j'ai rien, je te le jure. Alors fais la pute. Fais-toi tringler au lieu de montrer ton cul à 10 sacs de l'heure. Ça va peut-être pas tarder. Je vais voir la tête que tu feras. Dis pas de conneries, tu veux. Pourquoi? Ça te ferait du chagrin? On n'est plus ensemble? Écoute, avec Jimmy, on va plumer un gros PD tout à l'heure à Rungis. Je veux te voir avec mon fric avant la fin de la partie. C'est clair? Attends. Il y a un type qui m'attend au bar. Il me lâche plus. Je te l'amène et tu le pigeonnes, ok? Il joue comment? Au poker? Tu plaisantes? Je l'ai vu perdre au moins 30 000 francs comme ça. T'auras pas de mal. Dès que t'as 4000, tu lèves l'encre. Hein? Non, tu déconnes pas. J'ai ta parole. Non, non, pas de problème. Qu'est-ce qu'il fout, ton pigeon? Il a la chiasse? Non, non, il arrive. T'es sûr qu'il a de quoi suivre? Donne-moi 5 sacs, que je participe au jeu. Ça tombe mal parce que là, je suis un petit peu à court en ce moment-là. Sinon, Fais pas le con. Tu vois pas que je suis à court? Il y a des jours comme ça, hein. Moi aussi. C'est le mari de ma femme, par exemple, il... Allez, ça va s'arranger. Vas-y, je demande pas la charité. Faut que je me refasse. Tu préfères une bouffarde? Tu vas te régaler. Ou alors tu veux peut-être que je te baise avec ta femme, hein? Tous les deux. Ou alors toi, toi seul. Là, là, je mets toi sur les gogles. Je vais te défoncer, tu vas voir. Non, mais c'est gentil, là. Non, mais là, je peux pas. Là, j'ai un problème, j'ai mes règles, là. Allez, 10 sacs. 10 sacs, et puis je te branle. Merde! Merde! Thanks.
Asseyez-vous. Je peux tutoyer, tu... J'ai horreur de ça. Bon, messieurs, faudrait éclairer. Et on fixe une limite de temps. D'abord, je vais voir comment ça se passe. Sur un tour. Après, on décide. C'est pas l'usage. Désolé. Oh non, Paul, non, restez! Louis, c'est normal. Après tout, Monsieur Bruand ne nous connaît pas vraiment. Ok. Jimmy? Ah oui, oui. D'accord. Chaque jeton vaut 50 balles. Vous en prenez combien? $1,000 pour commencer. Je suis désolée, Paul. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. C'est le jeu, Paul. C'est la faute des personnes. Mais Eva, j'ai gagné, là. Comment? Vous avez gagné? Une brique. Tout rond. Mais formidable. Je vous ai porté chance. On y va? Là, quand on joue des deux côtés, on gagne forcément. Elle a changé d'avis. Elle reste, monsieur Bruand. Au revoir. Ciao. Comme on dit en France, faut pas se fier aux apparences. Ah, bravo, tu l'as choisi, hein? C'est pas de ma faute, c'est toujours comme un pire. Mais tu fous tout mes plans par terre! Tu m'as fait! Pardon, je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas là, mais vous allez lui faire mal. Tire-toi! Bon, ça te regarde pas là. Non, je m'excuse de revenir là, mais je comprends plus là. Parce qu'on jouait tranquillement, entre amis, là, et puis ça dégénère. Alors, je savais pas que ça vous ferait tant de peine de perdre, mais on peut peut-être s'arranger, non? Comment ça, s'arranger? Un échange. Je vous rends la... ma brique, et puis vous la laissez. T'entends, chérie? Il veut t'acheter. Deux briques. Non, non, une. Celle-là, elle compte pas. Une. On accepte, oui, parce que il y a du monde à cette heure-ci, il faut se casser, alors dis oui. T'es dingue. Regarde ça. Ça vaut plus, hein? Ça vaut plus, Bruand! Bon, vous savez, à poil tous les soirs, au bout d'un moment, il n'y a plus de découverte. Marché compris. Marché, t'es malade? Ah, merde, ça recommence! Bon, ça y est, maintenant, on arrête, hein? T'es d'accord? Ok. Vas-y, régale-toi. Pour une brique. Non, c'est pas la peine, ça va. C'est des amis, ça joue pas cher. J'en ai plein des amis comme ça, moi. Marquez, les nuits sont pas tristes avec vous, hein? On s'ennuie pas, il y a de l'action. Je vous ai rien demandé, moi. C'est vous qui êtes venu me chercher au cabaret. J'ai des relations. Eh bien, restez-y avec vos relations. Foutez-moi la paix. Vous m'amenez? Italiano! Espèce d'italiano!
Une brique. Une brique, tu les avais là, tu les avais dans ta poche. Tu les as perdues, t'es malade. Oui, je suis malade. Les roses. Et puisque je te dis qu'elle m'a acheté, elle est juste 10 sacs pour la bouffe et l'hôtel. Avec mes poches cousues, tu crois que je les ai sur moi, 2 sacs? Non. Allez, Max. Allons, messieurs, faites vos jeux. J'ai les poches cousues, t'as pas remarqué? Dernier coup de la taille, messieurs. T'es sûr que c'est pas le portefeuille, t'as de cousues, toi? Les jeux sont faits, les jeux sont marqués. T'as qu'à dormir dans ton bateau. Tiens. Oui. 250 francs au billet. Mais elle a changé le cadenas du hangar. Tu peux pas me loger? Je ronfle pas. Rien ne va plus. Pour 10 sacs, vends ta montre. Elle est déjà au clou. Une brique à l'as, là. 9 au premier, 8 au second, baccarat à l'avant, qu'on paye partout. Allez, je gagne toujours quand j'ai pas de pognon. Moi, je suis maudit, j'ai le signe indien, je suis marqué. Allez, salut, Max. Personnel. Merci, monsieur. Oui. Paul. Mille francs banco, on peut faire, messieurs. Banco. Et ce bateau, comment tu vas le finir? D'abord, il faut que je trouve du boulot. Là, je pense que Rose aura confiance. Après, cap sur les moustiques, comme prévu, quoi. Là-bas, il n'y a pas un casin à 1000 bornes à la ronde, alors... je suis tranquille. Accroche-toi, Paul. Tu vois ce bateau? C'est peut-être le seul moyen que tu as pour plus jouer. Eva en scène. Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, il y a du monde. Mais j'ai trop plu ma cassette. Tu sais, l'orange. Bah, t'as dû la laisser au Cupidon. Mais j'ai pas commencé les circuits. Marie, j'ai trop plu ma cassette. Tu l'as vue? Mais oui, elle est là, ta cassette. C'est lui qui te l'a apportée. Merci. Ahmed, tu as du ketchup?
On vous a vidé. Vous avez un caractère de cochon, mais votre numéro, il réveillerait à mort. Oh, taisez-vous. Vous avez fait assez des dégâts. Bah, et vous? Vous avez bordélisé ma vie, hein? Vous avez une vie, vous? J'avais. Si on faisait un numéro de nu, tous les deux? Vous êtes trop maigre. Sans parler du regard. Faut que ça soit mystérieux, provoquant. Pas gnagnin. J'ai un regard gnagnon, moi? Quand vous me regardez, oui. Dites, vous forcez ou c'est naturel? Non, mais on... Non, on vous a vidé pour de vrai? Non. À cause de vous, je pourrais plus faire jamais des striptease, moi. Oh, mais c'est pas les cabarets qui manquent dans Paris. Monsieur Perrade et son frère, ils contrôlent toutes les boîtes de Paris. D'abord, qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous avez fêté ça au champagne. Parfaitement. Au champagne. J'avais le droit, non? Une bouteille. Enfin, une demi. Un quart. Parce que le champagne de M. Peraldi, il n'est pas terrible. Il y a même un goût. Un goût? Ah ouais, un goût. Un goût amer. Je peux même vous dire qu'il était franchement dégueulasse, son champagne. C'est un scandale quand on y pense. C'est vrai, quoi. Pour vendre une piquette pareille, c'est qu'il nous prend vraiment pour des cons, votre patron. Et moi, je ne supporte pas qu'on me prenne pour un con. J'ai même envie d'aller lui dire à M. Peraldi, moi. Je vais aller le trouver, moi, ce fumier. Cette brute. Ce salaud qui vous a vidé, en plus. Et je vais y aller tout de suite, maintenant. Gaffe à ma valise, hein. Et ma coupe. Dis donc, Peraldi, si tu la prends pas tout de suite dans le spécial. Passe sur le mien, un moment. Scié, le mec, je l'ai scié. Elle est comment, Rose? Je veux dire, physiquement. Elle est... Bien. Bon, on y va? C'est quoi ça? Ça, madame, c'est ma coupe. Ah. La seule chose que j'ai vraiment réussi dans la vie. Gagné au championnat de France junior du 5000 mètres en 14 minutes 30 secondes. À la course? T'aurais mieux fait de la gagner à la boxe. Ça me fait rire. Alors, tu es un champion? J'étais. Dans une autre vie. Et puis, il y a eu le jeu. Il y a eu. Rose a raison. Elle a sûrement raison. Ouais. De toute façon, je vais me faire interdire de caser maintenant. Mais il restera toujours les chevaux, les cartes, les dés. Les feux rouges, voilà. Les plus faces. Oui. Et puis Peraldi. Hé, hey, Peraldi, t'arrives dans le nez. Paul, elle ressemble à quoi ta voiture? À rien. C'est... À rien de vraiment connu, quoi. Je comprends jamais quand tu parles. Évidemment, tu me parles toujours quand il y a une voiture qui passe. Qu'est-ce qu'on fait? C'est les troisième ponts. Bah, ça doit être le suivant. Pourtant, ça ressemble, hein. Allez, va chercher ta voiture. Je suis fatiguée, j'ai froid, je bouge plus. Ouais. Ça doit être l'autre, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On baise. Y a que ça à faire. Tiens, assieds-toi. Prends la valise. Mmh.
Qu'est-ce que tu regardes? Bah avec 50 balles, je pourrais prendre un taxi et faire tous les autres ponts de Paris. Et comment tu crois que j'ai acheté l'essence, moi? Bon, bah j'y vais. Je vais chercher. Paul, t'es sûr que c'est à Paris, au moins? Ça me fait rire, ça. Gaffe à ma valise, hein? T'es sûr que ça te dérange pas, non? T'inquiète pas, pour une nuit, on va se débrouiller. On va faire du camping. J'ai vieilli, hein? Hein? Ah, j'avais pas fait le rapprochement, c'est tout. Dis-moi, le type qui est au milieu, là, c'est pas... Cherche pas, c'est Dero. Tu peux venir m'aider? C'est comme ça que tu l'as connu? Ouais. On était très amoureux. Les soirs de la centième, il s'est déchiré les ménisques. 5 mois de plâtre, fini la danse. Et toi? Je l'ai suivi. Tu comprends maintenant? Ouais, je comprends. Et Dero, s'y viens, là. Oh, je suis chez moi, j'ai plus de dettes. Tu voulais que je te dise merci? Merci. Je t'ai rien demandé, moi. En tout cas, il va pas tarder à se retrouver en tôle. Ah bon? Oui. Avec Jimmy, il prépare un braquage. Il s'en fout. Tourne-toi quand je me déshabille. Oh. T'as un slip? Non, pourquoi? Perdu. Je prends le matelas. Ok. À quelle heure tu pars demain? Bah tôt. Si je veux récupérer Rose, faut que je trouve du boulot. Et surtout finir ton bateau. Regarde-moi quand je te parle. Moi aussi, faut que je trouve un travail. Quel genre? Dans les spectacles, mais habillé. Remarque, tu peux mettre tes bijoux en gage. Hein? J'ai un bon pote au monde piété. Ils sont faux. Ah? Ton bol du 2000 mètres, tu peux le mettre au clou. Quel bol? Là. C'est une coupe. Et du 5000 mètres en 14 minutes 30 secondes. Mmh. Tu sais ce que ça représente, ça? Mmh. De sueur, de sang et de larmes. Ma coupe, c'est la seule chose que j'ai réussi dans ma vie. Ouais. J'essaie. Faudrait que je prenne un bain. 3 jours, j'en rêve. Un bon bain. Bien chaud. Allô, oui? J'aime bien quand tu fronces les sourcils. Ah, c'est ça, dégage un peu ta frange, je voyais plus tes yeux. Mais, où es-tu? À tes pieds, comme toujours. Rose, ça y est. J'ai une nouvelle qui va bouleverser la vie des brillants. J'ai trouvé du boulot. Dans les jouets. Je livre. Un coup de bol inouï. Avec ma paye, on met de côté. On finit le bateau et dans 2 ans, comme prévu, cap sur l'île Moustique. Tu vois, il n'y a rien de changé. Tout est changé, Paul. J'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Ça dit que c'est du bluff, ton bateau a un alibi. La vérité, c'est que tu ne le finiras jamais. Mais laisse-moi le temps, au moins. Mais j'ai plus eu le temps. Combien de temps tu es resté sans jouer, justement? Longtemps, non? Longtemps pour toi, oui. Mais j'ai ce boulot, Rose. Mais tu changes de travail tous les mois, toutes les semaines. Peut-être, peut-être, mais... T'en trouveras des petits qui font la vaisselle comme moi? Hein? Et qui va te réchauffer les pieds dans le lit le soir quand tu as froid? Hein? Qui? Qui? Dans ce grand lit tout vide? Paul, j'ai une cliente. C'est une teinture et ça n'attend pas, Paul. M'en fous de ta teinture.
m'en fous de sa teinture. Le braquage de Dero, ça peut rapporter combien ? Je marchais tranquillement derrière le convoyeur quand soudain deux hommes nous ont dépassés et ont tenté de lui arracher sa mallette. Le convoyeur s'est défendu, mais pris d'un malaise cardiaque, il s'est écroulé à mes pieds. N'écoutant que mon devoir, je me suis précipité à son secours en mettant les agresseurs en fuite. Alerté par des passants, la police est arrivée, m'a trouvé avec la mallette dans les mains et m'a injustement arrêté. À part leur moto et leur casque nazi, je suis incapable de fournir d'autres renseignements sur les agresseurs du convoyeur. C'est ça ? Très bien, vous lisez, vous signez. Gardien, vous lui enlevez les menottes. Je vois quoi ? Un lévrier. Marron. Beige. Attends. Un lévrier. Beige. Non, plutôt marron. Tu vas pas apprendre mon métier, non ? On sort du restaurant, plus de voiture. Et plus grave, plus de chien. Il s'appelle Epaminondas. C'est un lévrier couleur feu. Feu follet. Très joli. Évidemment, je suis prêt à offrir une récompense substantielle. Certes, monsieur Brevoort. Brevoort. Mais c'est en trouvant le voleur qu'on trouvera la voiture. Et dans la voiture, le chien. Question de coordination. Écoutez, mon père est l'ami personnel du préfet de police. Il s'appelle comment ? Le chien. Epaminondas. Alziani, t'as pas reçu un appel radio pour un chien ? Epaminondas. Je veux, oui. Esperandio et Marchandon, le ramène, ils l'ont trouvé dans le coin. Voilà. Question de coordination. Épatant. Bien. Dites-moi, vous avez eu de la chance que le type soit pas mort. Il a confirmé votre déposition, vous êtes libre. Et vous restez à notre disposition malgré tout. Hein? Bien sûr. Bien sûr. Non, pour pas attirer l'œil. J'ouvre la portière à cette salope de ragondin. Et crac, je me fais baluchonner par un de vos poulets. Pardon, je voulais dire flic. Je comprends pas comment un don de Dieu de bonhomme peut gerber dans la nuit et même ici dans l'embrasse. C'est sympa d'être venu. Comment t'as su que j'étais là ? Je me suis fait passer pour Rose. On m'a dit que les convoyeurs t'avaient disculpé. Ah oui, heureusement que son cœur a tenu, hein. On y va ? Oui. Bah, dis donc, tu vas comme ça, tu vas au casin ? J'aime bien. Dis donc, tu t'emmerdes pas, toi, pendant que je suis au bloc, hein. T'as trop de fric, sûrement. Et toi, t'as bien laissé filer les briques, non ? D'abord, il y avait 800 sacs dans la mallette, alors tes combines ? C'est tout ce que tu trouves à me dire. Non. Avec quoi t'as joué ? J'ai gagé ta coupe. Alors, je te le dis. C'est avec ça que t'as joué. J'ai même perdu. Remarque, tu la reprends quand tu veux. 500 francs, c'est rien. J'avais une main formidable. Je sortais 8 queues. Merde! Mais t'es névrosé, hein ?
T'es drogué. Y a rien de sacré pour toi. Tu sais ce que ça représentait, cette coupe, pour moi? La sueur, le sang, les larmes. Oui, t'as rien compris, quoi. Et si je prenais ton affiche de 2 mètres sur 2 et que j'en fasse des cocottes en papier? Moi, je vais ma coupe demain matin. Démerde-toi comme tu veux. Je veux le fric avant 9h. Claire? C'est comme ça que tu le prends? Oui. Bien, bouge pas. Tu vas l'avoir, ton fric. J'ai filé une brique pour même pas la baiser et que l'autre con il refuse ça pour 55. T'avais raison, Eva, t'as vieilli, hein. Vas-y, serre-toi. Prends-le ton fric. T'inquiète pas. Maintenant, j'ai un moyen pour m'en sortir. Remarque, j'y pense depuis longtemps. Mais je devais être coincée. Avant, c'était à poil, mais debout. Maintenant, c'est sapé. Mais horizontal. Tourne-toi. On s'en fait une montagne. Le plus dur, c'est d'embrasser. Plus intime, à comprendre. Après, il suffit de penser à n'importe quoi. Tu laisses ton corps à la consigne et tu t'évades. Alors, tu les prends, cet argent? N'hésite pas, je te les dois. Et puis, regarde-moi quand je te parle. T'attends quoi? Paul, il n'y a pas d'argent. Tu l'as déjà joué? Oh, non. Non. J'ai pas pu. J'ai pas pu. Pourtant, il faut que j'arrive. Ça doit finir comme ça. J'ai bazar de l'appartement. Avec les cautions, je te rembourse. Oui. Puis t'iras coucher au Halle. Non. Si je vends ma bagnole, on peut bien en tirer 500 balles. Et combien on ira au casino? C'est pas. Embarque. Toi, j'en ai marre. J'en ai marre. Passer 24 heures dans une voiture. Pour espérer retrouver un hypothétique lébard, j'en ai marre. T'es folle. Oh. 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 Gagné, oh. Ils l'ont trouvé. Je te l'avais dit, hein. Tu y vas? Je suis pas maso, moi. 12 heures avec les poulets, ça m'a suffi, hein. Tu veux la récupérer, ta coupe, ou non? Mais pourquoi j'hérite pas, moi? Je mérite pas d'hériter, moi. Viens, mon squelette. Viens. Viens, on te ramène à ton maître. Viens. Allez. Tu sais ce que je pense? Non. Eh ben, j'aurais 5 briques, là, tout de suite. Tu sais ce que je ferais? Non, quoi? Eh ben, je dirais à Rose, tiens, voilà le pognon pour le bateau. Si. Je la couvrirais de billets et on partirait peinard. Rêve pas. On n'a même pas d'essence pour rentrer. Ben, pas grave, tu pousseras. Non,
Allez, file-moi du café, va. Que je me saoule pour oublier. Non. Combien tu offres? Et c'est pas le moment de s'y planter, t'es fou? Tiens. Pourquoi tu reprends pas la danse? Parce que je joue. Bah, arrête-toi. Comment ça, arrête-toi? C'est toi qui me dis ça? Moi, j'ai pas de raison valable. C'est quoi une raison valable? Je sais pas. Un chat persan. Une grand-mère impotente. Impotente? Quoi d'autre? Un type qui me les casse pas avec ses questions à la con. Mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Le con. Je suis fou. Et bonjour l'agriculture. Allô, allô, présentation des chiens pour la troisième course. Au numéro 1, Jean-Louis. Au numéro 2, Papier de Foix. Au numéro 3, Gare du Nord. Au numéro 4, Montréal. Merci beaucoup, mademoiselle. Ah, j'ai raté de vous déranger, je m'appelle Cyril Belmont. J'adore les animaux. Il avait l'air si malheureux. Et comment vous avez fait pour le retrouver? Il était blotti dans une porte cochère. Il y avait un numéro dans l'écolier. Ah, bah écoutez, merci de vous être donné tant de mal. Hein. Oh là, ah. Ouais, sympa. Chauffez-les doucement. Hein. Et maintenez-le dans la quatrième. Les chiens se présentent dans l'ordre des casaques, s'il vous plaît. Oh, j'ai eu tellement peur. On est vraiment allé. Comment puis-je faire pour vous remercier? Bah, qu'elle passe au magasin, elle aura un prix sur une fourrure. Oh, bah, on peut la prendre comme mascotte. Oh, ouais, ouais. Je ne suis pas venu pour ça. Et merci encore. Je veux jouer? Bien sûr. Sur Fakir. C'est un de mes chiens. T'es sûr de gagner? Je m'appelle Fabrice. Non, ne me dis pas ton nom. Tu mériterais de t'appeler Lidwin. Ça te plaît, Lidwin? Je sais pas. Et la danse, ça marche? Pourquoi? Tu as la jambe un petit peu nerveuse et les pieds en dehors, enfin très légèrement. Et par ailleurs, tu es dans le besoin. À voir la façon dont ton regard suivait le billet de Cyril. Et après, tu as attendu le coup à la recherche de quelqu'un, mais seulement après avoir reçu l'argent. Il s'agit sans doute de ton amant. Amant avec lequel tu viens de faire l'amour, dans l'herbe et à 20 km d'ici. C'est du mélèze, hein? Et le premier champ de mélèze est à 20 km d'ici. C'est tout? Non, 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 non. Je te plais. Oui, car c'est sur mon chien que t'as joué. Aïe, 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 dommage. C'était presque en sans faute. Si j'ai parié sur ton chien, c'est parce que je l'espère comme son maître. C'est-à-dire? Si arriviste qu'il est capable de gagner. Attention au dernier pari. Comment ils font dans les films? Allez, vas-y, 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 vas-y. Arrivée de la troisième course. Premier, le numéro 6, Poitiers. Deuxième, Blanzy. Troisième, le numéro 5, Zorro. Qu'est-ce que c'est que ce baiser au type en Moleskine? Lidwin, tu aimes comme nom? C'est un nom de pute. Pourquoi? Ouais, les types en Moleskine. Son chien vient de me rapporter 3000 balles. Hein? J'ai rejoué ta coupe sur un de ses chiens. Mais je rêve. C'est pas possible, je rêve. Mais tu jouerais ma tête pour 10 balles, toi. À condition de partager avec toi, peut-être. Les chiens sont sous les ordres.
Allez, viens, on s'en va. 1500 sur Bali, les quatre. C'est le chien-chien à tonton Maleskine. $1500 sur Epaminondas. Départ imminent de la quatrième course. Ta sentimentalité te perdra. C'est une belle mort. Départ de la quatrième course. Faut pas jouer sentimental. Va. Tonton Maleskine, t'attends. Paul! Allô, allô. Faites vos paris. Hé. Hey. T'aimes ça? J'adore, tu sais pas. Et t'as commencé il y a longtemps? Bah, 12 ans comme mon frère, c'est comme ça chez nous, tu sais pas. Tu fais ça avec des clients, des fois? Rare, le patron n'aime pas ça. T'aimes à plusieurs? Ça dépend. Une fois, je l'ai fait avec une bande d'agriculteurs mécontents. Ils venaient de barrer la route avec des choux-fleurs. Les CRS les avaient excités, tu sais pas. Là, c'est trop, là. Va savoir. Tu sais que t'es une petite maline, toi. Ouais. Et toi, tu bois trop. Tu vas où? Nulle part. C'est encore loin? Tu y es. Nulle part, c'est ici. Aline, 2 sacs que t'as pas de slip. T'as perdu 4 sacs. J'en ai 2 là sur l'autre. Ouais, elle est rigolote. Déjà que j'avais pas de quoi payer. Chez toi, chez moi? Là. Merci, salut. Tu te fous de ma gueule, là? Je n'aime pas Lidwin, c'est un nom de pute. Putain. Ça m'a ouvert la portière, ta queue s'est tirée. Bande de tarés, vous êtes des cons alors, merde! Allez, venez! Ça, tu l'avais pas prévu, hein? Celle-là, ou c'est pour une aspirine, ou c'est pipi. Devine. Bah quoi, t'as gagné? Comment tu le sais? Bah, je t'avais perdu, tu te serais pas arrêté. Attends, c'est une vacherie ou pas? J'ai que de l'aspro, hein. Et ça, la même chose. Vous voulez un couvert? Bien sûr. Il y a un de ces bordels dehors. Il y a un cadre de course de la bande des portes à droite qui s'est fait la jaquette. Ils filent tous le train dans le champ du père Rispal. Quoi? Tonton Maleskine est là? Je veux pas rater ça. Ils sont pas téléguidés, leurs missiles. Mademoiselle, combien les tout? Les cacahuètes, 4 sites de pastis, je compte pas le ketchup et les grossièretés. 48,20. Et où il est le squelette? Où il est le chien-chien à sa mémère? Où il est ce missile? Tu l'as pas vu le chien-chien à sa mémère, toi? Mais c'est tonton Maleskine et ses neveux chéris. Mais j'en ai trouvé ma parole. Ça peut pas courir 20 mètres sans cracher ses poumons. Faut courir, il faut s'entraîner au lieu de bézouiller, il faut faire du sport. Hein, les petits marquis? Allez avec moi. Hop, 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 hop. Il n'y avait pas de bourre, regarde. T'es bourré à l'alcool. Gaffe à l'infarctus, hein. Y en a qui sont morts comme ça. Vous avez bonne mine, avec vos frusques en hélium. Ils ont refait les mêmes pour hommes, faudra me donner l'adresse, hein. T'as besoin de monter là-haut pour nous dire tout ça? Et là, c'est quoi ça, hein, profil d'anchois? C'est le syndrome du chauffeur de taxi, ça, mon bonhomme. Alors, la tension redescend, le pouce régularise, le cerveau s'irrigue, approchez. Approchez! Éjaculateur précoce, fausse couche endimanchée, éleveur de moufettes, discours, ben à jouir, va! Tu veux la fermer, ta grande gueule, dis, tu veux la fermer? Et descends. Laisse tomber! Descends! Descends! Eh bien, viens me chercher. Viens! Tu verras pas en l'air! Tu verras mon cul! Oh, 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 oh.
Je suis coureur de four, moi, monsieur. Des cadres comme toi, je les ramasse dans les lignes droites, tant on me les skine. On m'appelle le fossoyeur du dernier tour, et je t'encule. Toi, tes gonzesses ont fait sans goutte d'huile, et ta clique de cardiovasculaire. Quant à tes lévriers, je me les prends en levrette. Je me les prends sur tous les parcours. Quand et où tu veux, tu les retrouveras qu'à leur boyau. Tenu, laisse tomber. Tout de suite. À distance. D'ici au Cynodrome, il y a 13 km. Exclu. Contre un seul chien, tu gagnes. 4. Dès que j'en rattrape un, tu lâches le suivant. 4 chiens. T'as aucune chance. T'occupes. D'accord. Je mets à l'heure au cul de ma Porsche. Banco. Qu'est-ce que tu veux prouver, là? Rien. Ça sert à rien. Tu comprends, ça? Écoute, Paul, tu as bu. Tu n'as pas dormi plus d'une nuit en 4 jours. Et ces chiens sont dressés pour la course. Tu finiras en pleurant dans les fossés, vidé et ridicule. C'est absurde, Paul. Allez, taille. Viens, on rentre. Tiens, je n'ai rien à foutre de ces petits camps. Et moi non plus, Eva. Fabrice veut qu'on intéresse le coup. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas un rond. Si je perds, vous aurez un show gratis. Si je gagne... Rêve pas. Je veux 500 balles. Allez, une brique. Tu forceras un peu sur la pompe. Qu'on se marre. J'ai dit... 500 balles. Je voulais dire que c'était si important. Merde. Je récupère ma coupe comme je l'ai gagnée, Eva. En courant. 3 000 sur Zorro pour Eric. 3 000 sur Zorro pour toi aussi. Pas tous en même temps. Combien tu veux? 3. Ok, ça marche. 5 000 sur qui? Accord sur Bali. J'ai fini mon service, je peux jouer? C'est comme au tiercé, non? Ouais, on va jouer parce qu'elle est mignonne. Allez, ok. Tu veux jouer combien, mon chéri? 3 francs, non? Tu veux parier sur quel chien? Je sais pas. Elle n'a qu'à jouer sur le dingue. Ouais. C'est moi qui joue sur le dingue. 5 000 francs. J'espère que t'es sûr de toi. 5 000 francs sur le dingue! C'est magnifique! Moi aussi. Et 3 francs pour la jeune fille. Je joue jamais sentimental. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais? Toi, je veux voir ta langue dans mon rétroviseur. On va prendre un raccourci. J'ai fait mettre un panneau de déviation guidon et... Comme ça, on sera pas emmerdé par les bagnoles. Et l'arrivée, si t'y arrives. Juste en face de la tribune. T'es prêt? Alors, dès que je démarre, c'est bon, hein. Et... T'es quand même un type marrant, toi. Je t'emmerde, moi. Si t'espères gagner à l'usure, ils sont comme les chevaux. Ils cavalent jusqu'au temps qu'ils crèvent. Moi aussi. Allez, on y va! Thank you.
est moins à l'aise que sur la camionnette, là. Allez. Allez, on part, vite, allez. J'ai pas eu le temps de le rattraper, moi. Merde! Ah bah voilà. Hé, hey, mais le dingue s'est arrêté, il est disqualifié. C'est ton troisième kleps, dans ton Maleskine. Et à peine 2 kilomètres. T'es foutu. T'entends? C'est le dernier. Envoyez pas Minondas! Thank you.
500 balles. Comment tu t'appelles ? Mimoun. Alain Mimoun. J'ai parié sur toi, la cote du siècle. T'as joué sentimental? Tu rigoles? J'ai joué efficace. Il y a 5 millions anciens. On partage, non? Garde-les. Tu iras au casino? C'est fini, Eva. Je joue plus. Eh bien, tu finiras ton bateau et tu partiras avec Rose. Et toi? J'essaierai de me trouver une grand-mère impotente. Il y a déjà plus de 400 francs pour 3 francs. C'est pas pour fric, de toute façon. Je voulais qu'ils gagnent. Ils m'ont dit, t'as joué en pièces sur le dingue, tu toucheras en pièces. Et ils m'ont jeté tout ce qu'ils avaient. Ils sont barges, mes réglos. Tu crois que je trouverai un routier au snack pour me ramener à Paris? Et ton ami? Sûr, il y aura un routier. Tu me prêtes 50 francs, j'ai plus rien. Je vais pouvoir m'acheter le dernier Pink Floyd. Mais j'ai vu une petite robe sympa à Normandville, tu sais pas? Ben vas-y. À cette heure-là, les routiers, je suis pas sûre, hein. Salut les compliqués. Attends. J'achèterai aussi les Rolling Stones. Merci. Monte Carlo.